وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Sachez aussi, barakallahu fikum, qu'il est recommandé de venir tôt à la mosquée le jour du vendredi. Venir tôt pour faire quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire des prières surérogatoires l'une après l'autre le jour du vendredi. Deux rak'at, deux rak'at, deux rak'at, deux rak'at, jusqu'à que l'imam vienne s'asseoir. Ou bien, si quelqu'un n'a pas eu le temps de lire Sourate al-Kahf la nuit du vendredi, c'est-à-dire après le maghrib, le jeudi, alors il pourra la lire aussi, ou évoquer Allah, ou bien demander la prière et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une chose recommandée en général et encore plus le jour du vendredi. Et le fait de venir tôt à la mosquée, c'est pour s'approcher de l'imam, pour écouter sérieusement son discours. D'ailleurs, pour montrer l'importance que le discours du vendredi a, la personne qui joue avec les pierres, alors il perd la récompense du vendredi. Juste il joue avec le tapis ou les pierres ou son vêtement. Celui qui dit à son compagnon « Tais-toi », le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'a pas de Jumu'ah ». C'est-à-dire il perd des récompenses. Il perd de la valeur de son vendredi, elle n'est pas complète. Pour montrer l'importance du discours du vendredi.